Alors c'est parti pour un nouveau Cali Vlog en ce jeudi. Oui, j'ai gratouillé ma tartine parce qu'elle a été cramée là, j'aime pas le cramer. Ce 19 août 2021, jour d'anniversaire de Buddy. Buddy a 10 ans aujourd'hui, elle est née. C'est le jour où elle est née, c'est pas le jour où on l'a adopté le 26 décembre d'après. Mais c'est son vrai jour d'anniversaire, c'est le jour où elle est née, tout simplement. Bref, petit dash time, je me suis mis ça. Oh, désolée pour la capture, c'est une nouvelle vidéo de Juju Fiquette que j'aime bien. Je regarde pas toutes ces vidéos et celle-là elle m'intriguait. Bref, petit déj time. Fait pas beau. On est dans la fumée. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est compliqué en ce moment. L'air ici, de nouveau, comme tous les ans, j'ai envie de dire, comme tous les étés, à cette période. Bref, je reprends après. Vous voyez le soleil là? Il est tout dans la fumée, il est tout orange et tout dans la fumée. Voilà. Je vais regarder la qualité de l'air, mais bon, bah ça se voit quoi, c'est pas fifou. Alors voici pour la lunchbox de ce jeudi. En fait, la nana m'a dit de mettre maintenant les couverts et les serviettes là. D'ailleurs, la serviette, c'est une serviette de McDo. Hein. En fait, je garde les serviettes comme à McDo. Il y a ce bouet, il m'en donne 4 tonnes à chaque fois. Je les garde et puis je les mets dans la lunchbox. C'est pas très joli, mais bon, je pense qu'elle a passé l'âge ou c'est pas très grave si c'est pas très joli. Enfin, je pense qu'on a toujours rien à faire. Donc voilà, moi je les réutilise comme ça. Avant c'était pour les pique-niques, mais bref, je mets dans les lunchbox parce que voilà, j'en ai accumulé pas mal si vous voulez en 2 ans. Donc, au niveau de la lunchbox, nous avons des pâtes, des penne avec du jambon par ici. Avec le petit fromage, parce que hier j'ai zappé, elle avait je sais plus quoi, et j'ai zappé. En fait, le fromage, le mange avec quasiment tout, avec du riz, de la semoule, elle adore, c'est du parmesan. Et j'ai retrouvé l'une des boîtes, comme ça, c'est ça que je cherche, il faut absolument que j'aille en... Je sais plus, le problème c'est que je sais plus où j'ai trouvé ça, je pense que c'est chez Daiso, mais j'ai des doutes. Donc bref, j'ai retrouvé, en fait j'avais déjà le dessous, mais j'avais perdu le couvercle, je l'ai retrouvé. Et ces petites boîtes comme ça on m'a demandé, c'est Daiso aussi, donc c'est le magasin japonais où tout est à 1,50$, donc je lui ai pris un petit muffin, une petite prune, des tomates cerises, des cheez-its, une vache qui crie et du saucisson. Et je précise que un quart d'heure, donc si vous avez vu mon Cali Vlog de lundi que je vous mets dans le i parce que je vous explique tout mieux dedans, un quart d'heure pour manger, ça lui suffit clairement pas du tout. Et en fait, elle revient, elle est affamée, donc elle finit sa lunchbox soit dans la voiture, si on est allé en voiture, soit à la maison. Voilà, parce que clairement, un quart d'heure, ça suffit pas. Je comprends pas pourquoi ils les mettent pas sur l'herbe. Il y a une énorme étendue d'herbe, comme dans toutes les côtes américaines. Et ils pourraient les mettre là et les espacer. Après, je pense qu'en temps normal, il fait très chaud avec le soleil qui tape. Et bon, je comprends qu'ils veuillent pas, même s'ils ont une casquette. Mais là, clairement, vu le temps qu'il fait, c'est tout gris, ça tape pas, il fait pas extrêmement chaud. Franchement, il pourrait les mettre sur la pelouse et leur donner plus de temps de manger. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, elle me dit, l'autre jour, elle a même pas eu un quart d'heure, elle a eu 10 minutes, parce qu'il y avait une copine qui avait une montre et vu qu'il y avait que 10 minutes pour manger. Enfin, comment vous voulez qu'elle mange en 10 minutes? Du coup, elle est affamée. Bref, je trouve ça un peu n'importe quoi. Tout ça pour qu'il soit assis à une table. Enfin, moi, je m'en fous qu'elle mange. Je préfère qu'elle mange dans l'herbe pendant une demi-heure, mais qu'elle mange, même elle, hein, elle a l'habitude de pique-niquer. Qu'elle salisse les vêtements, à la limite je m'en fiche ou je donne une serviette, enfin je sais pas, mais il y a des solutions. Bref, je suis un peu deg sur ce point là, je vous avoue, mais c'est la vie, c'est comme ça. Bah dis donc, il a double, parce qu'en fait ça c'est ça va sur tous, donc des fois c'est pas la bonne truc, donc là si on sait pas que c'est elle, on sait pas que c'est elle. Bref, allez, je vais les préparer parce que il est pas si tôt que ça. Quelle heure il est? Moins, ouais, 35. Là, non, on va arrêter la télé, Didi. Ouais, on va se préparer. C'est très rare que je sorte la planche à repasser, le fer, parce qu'en fait... Ouais, en fait, mon linge... Enfin, mon sèche-linge, il sort les vêtements secs. Ça marche trop bien. Et ouais, ça marche super bien. Et donc, c'est très rare que je fasse ça. Donc, je filme parce que c'est très rare. Je suis en train de repasser mon fond pour la vidéo que je vais tourner ce matin. Oh là là, t'as vu comme c'est satisfaisant? Ça marche trop bien. Tu peux essayer? Ouais. Non. Si, viens. Ah, si, tu peux essayer. Tu touches pas dessous, quoi, parce que c'est brûlant. Non. T'appuies pas trop longtemps, parce que t'appuies pas très fort non plus, sinon tu vas me brûler le fond. Tiens, regarde, hop, prends le fer. Tu peux commencer. Non, mais là, tu peux toucher, là, c'est pas chaud. Vas-y, prends-le. Tu verras, c'est un petit peu lourd. Vas-y, prends. Voilà. Et je fais quoi, là?
Bah tu passes de comme j'ai fait, tu passes dessus. Ah j'ai trop peur. Vas-y, non, n'aie pas peur chérie. Voilà, appuie un petit peu quand même, hein, sinon. Ouais. Il repasse les affaires de maman. Tu repasses mon fond. Et voilà, et tu fais ça très bien. Faut aller là où il y a les plis, voilà là. Et là, là, regarde là, il y a des plis encore. Ok, tu peux le reposer. Repose. Voilà, tu tires le plaid. T'as dit bon anniversaire à ta sœur? Bon anniversaire, Valérie. Bon. Avec l'attente pour acheter les ballons et tout. Attention, laisse pas, ouais, laisse pas trop longtemps sans bouger, sinon ça brûle le tissu. Bon, on va pas tarder à aller à l'école. On va y aller en voiture. Enfin, vous allez voir, ça va être spécial ce qu'on va faire aujourd'hui. On brode en attendant d'avoir la trottinette électrique. Bon, alors bonjour à tous. C'est parti pour un nouveau Cali Vlog. On continue d'essayer de trouver des solutions pour les dépôts et récupération d'école. Donc à la rentrée, on a fait voiture. C'était une catastrophe. Le lendemain, on a fait trottinette. C'est pas mal. Mais alors, comme ça monte, on arrive à l'école. On est en transe. Par contre, le retour, il est génial parce que c'est de la descente. Donc la trottinette, elle avance toute seule. Mais l'aller, il est assez hard. Hier, on a fait voiture parce que je courais, j'avais pas envie de me taper 40 minutes aller-retour de trottinette. Donc, voiture. Et le dépôt, en fait, ça va. Enfin, là, je vais voir aujourd'hui, mais hier, je suis partie extrêmement tôt. Donc, ça peut fausser le truc. Là, je vais voir à quel point c'est le bazar. Mais la récupération, c'était une catastrophe. Hein. Je suis partie 25 minutes avant qu'elle finisse l'école. 25 minutes. Hein. Et j'ai même pas eu une place devant l'école. J'étais sur la route immobile, hein, comme les autres dans la voie du milieu qui permet de tourner. Heureusement, on bloque pas la circulation. Mais bref, c'est pas possible. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est Lana qui a eu l'idée, c'est très intelligent. Donc là, on y va en voiture parce que je vous dis, le dépôt, ça va. Parce qu'en fait, tout le monde pose son gosse, ça va. Mais le retour, le problème, c'est que tant que l'enfant n'est pas dans la voiture, bah, les voitures, elles bougent pas. Et quand les enfants, ils mettent un peu de temps à sortir de la classe et tout, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je la pose en voiture, ce qui m'évite de commencer la journée en sueur atomique. Et vas-y, explique, vas-y. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que nous, on y va en voiture, on prend la trottinette dans la voiture, on prend la trottinette, on la dépose à l'école, et après maman, elle revient avec sa trottinette, et après on retourne à la maison avec la trottinette. Alors en fait, là, je vais la poser avec sa trottinette, son casque et l'antivol à l'école, elle va attacher ça, comme si elle était venue en trottinette. Parce que moi, je peux pas ramener la trottinette avec ma trottinette, c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Surtout avec tout ce que je dois pédaler là, avec le dénivelé là, qui me pourrit la vie, ce dénivelé. Et du coup, moi, je viendrai la chercher en trottinette parce que je vous dis, la récupération en voiture, c'est pas possible, c'est pas possible. On m'a demandé s'il y avait des bus. Alors, il y a des bus, mais pour l'instant, c'est uniquement réservé aux enfants handicapés parce qu'ils les font transférer dans des autres établissements spécialisés. Donc, il n'y a pas de bus actuellement pour les enfants scolarisé normalement, en fait. Donc, c'est dommage parce que ce serait, enfin, j'y ai pensé et ce serait vraiment l'alternative parfaite, mais non. Et aussi les trucs qui est bien, c'est que en fait, quand on prend la trottinette, ça descend. Ouais, enfin ça descend, mais moi il faut que je vienne te chercher. Oui. Et ouais, donc moi il faut que je me le tape, mais c'est pas grave parce que il fait pas hyper chaud, du coup qu'on a plus de soleil. Quand il fait, c'était mardi là, il faisait plus de 30 degrés. C'était un peu chaud en début d'après-midi, mais bon. Bref, demandez la trottinette électrique, je mise tous mes espoirs sur la trottinette électrique. Je vois le papa, je continue de voir le papa qui fait ça tous les jours. Et voilà, tu vois, il n'y a pas du tout de trafic, il n'y a rien, il n'y a rien. La question c'est, est-ce que le papa vient? Bah je pense, ouais. Bref, je vous laisse, je dépose l'enfant et je vous reprends à la maison. Et l'avantage quand on y va en voiture, c'est que c'est fétichien, il peut nous accompagner. Eh mon gars, eh oui. Oui, mon bébé. Bon, voilà, je m'apprête à faire ma vidéo ASMR que je dois vous faire depuis tellement longtemps, mais comme j'avais Lana et Nico, bah, c'était compliqué. Sauf qu'en fait, là, je réalise que j'ai les travaux de la maison d'à côté, donc ça me saoule parce que je voulais faire un truc un peu bien et puis il va y avoir des bruits parasites anyway. Après, je vais pas m'équiper, hein, une salle insonorisée pour une pauvre vidéo, donc...
Donc tant pis, je vais la tourner quand même, sinon je la tournerai jamais. Donc voilà, j'ai le micro qui est là, qui est connecté au Mac, parce qu'en fait, il est en prise USB et j'ai pas de port USB sur ma caméra. Donc l'ordi enregistre le son et moi, au montage, je mettrai le son de l'ordi sur ma vidéo. J'ai fait un fond noir, c'est le même fond qu'Halloween d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo, parce que je voudrais vraiment que vous vous concentriez sur le son. Et pas sur le fond derrière. De toute façon, mon bureau, il est trop sombre avec le peu de soleil qu'on a à cause de la fumée. Clairement, ça rendrait rien. Donc là, au moins, j'ai la fenêtre de ma chambre et au moins, je vais être bien éclairée. Et puis voilà, c'est un concept un petit peu particulier que je vais faire. C'est une vidéo ASMR un peu spéciale. Je ne sais pas du tout si ça a déjà été fait ailleurs. Je ne sais pas. Je sortirai la vidéo... peut-être lundi, dimanche, lundi, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Déjà, je vais la tourner. J'espère que ça va bien se passer parce que moi, j'aime pas quand c'est pas bien fait. Et avec les travaux, là, ça me gave. Bref, je vais la faire tout de suite. Il est tôt, hein. Du coup, je commence tôt. Voilà, j'ai une montre qui ne donne pas l'heure. J'adore. À 8h51. Non, elle est très bien, cette montre, mais elle me saoule parce qu'elle fait jamais ça correctement à chaque fois que je filme. Bref, c'est parti. Go. Alors, vous entendez un petit bruit là derrière? C'est les travaux. Donc là ça va parce que je parle fort, mais je vais chuchoter dans ma vidéo ASMR. Donc tous les petits bruits pourris comme ça autour, bah tu les entends. Voilà. Bref, je vais essayer de faire quelque chose de bien quand même. Bon bah écoutez, je vais garder le petit setup que j'ai fait pour ma petite intro. Hein, voilà. Ah, ça fait bizarre de reparler normalement. Alors, ah très bien pour ce dont j'ai besoin d'arrêter de crier, hein. C'est très très bien les vidéos ASMR. J'espère que vous allez bien, je vous reprends aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de Buddy. Buddy elle a 10 ans, oui je parle de toi, viens, tu viens maman, viens. Buddy elle a 10 ans aujourd'hui, je sais pas, je suis pas vraiment contente qu'elle ait 10 ans en fait, parce que quand je l'ai adoptée, je m'étais renseignée sur l'espérance de vie des bulldogs et bon, maintenant ils parlent plus de 10. Il y a un écureuil. De 10, 14 ans pour les bulldogs, mais c'est vrai que, enfin, à l'époque ils disaient que c'était 10 surtout. Et bah, elle a 10 ans quoi. Voilà, c'est mon chien à 10 ans et bah, c'est vieux pour un chien de race, même si c'est pas une pure race, elle est pas l'off ou quoi que ce soit. Hein. C'est un bulldog français. Enfin, on n'a pas trop de détails sur ses origines d'ailleurs. Mais bon, je pense que c'est pas plus mal que ce soit une pure race, parce que c'est généralement plus fragile. Elle a 10 ans, c'est une vieille mémère, alors elle va très bien, elle voit très bien, la preuve, elle vient de voir l'écureuil là-bas, elle entend très bien, on n'a pas encore de soucis de ça. On voit qu'elle blanchit là, on voit que le blanc de ses yeux, il est tout marron maintenant. Mais à part ça, franchement, elle va du tonnerre. Alors, on fait extrêmement attention à son dos depuis qu'elle nous a fait sa paralysie il y a... C'était en janvier 2017 ou 2018, je sais plus. Elle nous avait fait une paralysie de l'arrière-train, on a eu très peur. Moi, j'ai eu extrêmement peur pendant 3 jours, elle bougeait plus. Enfin, c'était horrible. Bon, je vous l'avais déjà raconté, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un épisode qui m'a un peu traumatisée. Et depuis, en fait, je prends un peu chaque jour avec elle comme si c'était le dernier, parce que j'ai eu trop peur et c'est arrivé du jour au lendemain. Donc, pour moi, tout ce qu'on a depuis, c'est du bonus. Et là, maintenant qu'elle a 10 ans, donc l'âge où on disait avant espérance de vie du bulldog, c'est encore plus du bonus. Donc, on profite d'elle à 2000%. Elle va bien. On voit aussi qu'elle vieillit parce qu'elle a les ongles, donc c'est moi qui lui coupe les ongles et en fait elle a le rose dessous, enfin là où il y a encore des vaisseaux et tout ça qui se rapprochent, qui sont de plus en plus loin, donc je peux de moins en moins lui couper. Mais sinon franchement elle va bien, on fait extrêmement donc attention à son dos, c'est ce que je disais, donc on la monte et on la descend du canapé, de la voiture, un peu tout ce qui est haut, hein. Je veux plus du tout qu'elle saute du canapé, avant elle sautait, mais maintenant j'essaye, je la repose moi, parce qu'en fait, en la portant, parce que en fait, à chaque fois qu'elle descend, bah, ça lui fait un petit choc dans le dos, et du coup, c'est pas bon pour elle. Il y a pas beaucoup, en fait. Ah là, c'est mieux. Mais voilà, elle nous a jamais refait de paralysie depuis. Bah bien, c'est le chien le plus gentil de la planète, elle est gentille avec tout le monde l'aime, même les gens qui ont peur des chiens, ils ont pas peur d'elle. Enfin, c'est un chien absolument extraordinaire, c'est mon ombre, c'est...
elle me suit partout, 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 partout. Tout ce que je fais, elle est à moins d'un mètre de moi. C'est... Enfin... Du coup, c'est horrible parce que je la vois vieillir et je me dis qu'elle n'est pas éternelle. Et je sais même pas comment je pourrais un jour vivre sans elle. Mais vraiment, enfin, c'est mon chien. C'est mon premier chien. C'est le chien que j'ai voulu toute ma vie. Et j'ai eu la perfection. J'ai eu beaucoup de chance parce que, bah voilà, on m'a donné ce chien-là. On l'a mis sur ma route et... Et pff, elle est exceptionnelle, quoi. C'est une chienne exceptionnelle. Ça me fait de plus en plus mal de la laisser quand on part. Attendez, je vais essayer de reculer. Oh, bon, vous voyez le backstage, c'est pas très grave. Ça me fait de plus en plus mal au cœur quand on part, parce que, notamment la France, parce qu'on part longtemps et que j'ai toujours peur maintenant qu'il arrive quoi que ce soit et que je sois pas là. Et que je me le pardonne jamais, parce que clairement, si elle venait à partir alors que je suis à l'autre bout de la planète, je me le pardonnerai jamais, clairement. Et voilà, bref, on va éviter de penser à ça aujourd'hui, même si forcément, bah, quand ton chien il passe les 10 ans, tu peux pas ne pas y penser. Oui, je sais, tu vas bien. Je sais, tu vas bien, je sais. De toute façon, t'as promis à maman que tu m'abandonnais jamais. T'as promis. Oui, t'as promis. Oui, je t'aime trop. Et bref, écoutez, j'espère qu'elle va faire comme les quelques bulldogs français que j'ai pu croiser dans ma vie et qui sont décédés très tard, genre à 14 ans. Hein, au moins, si tu peux faire 16, 17, on prend un chien. Mais surtout qu'elle va bien en fait, elle a pas de soucis, elle va parfaitement bien, elle voit très bien, elle entend très bien. Pas trop bien installée là sur ma petite cuisse. C'est juste son dos, moi, qui me fait peur. Alors, elle peut plus aussi faire des grandes randos, des grandes balades et tout ça. Elle fait des tours de quartier, ça oui. On voit qu'à la fin, elle est contente d'arriver quand même. J'évite de le faire quand il fait très chaud parce qu'on voit qu'elle galère. J'en peux plus, ce bruit de travaux. Ça m'a défoncé ma vidéo, ça m'a gavé. Mais bon, bref, elle va bien. Très bien. Hein, tu vas bien? Elle est heureuse comme tout. C'est un gentil chien. C'est un amour de chien. Oui. On fera une petite photo, comme d'habitude. Hein? On fera une petite photo comme d'habitude cet après-midi? Hein? Oui, petit bout de queue qui bouge, je sais pas si on a vu. On fera la photo? T'aimes bien ça les photos? On va aller acheter des ballons avec ta soeur quand elle sort de l'école, parce qu'elle m'a dit, elle dit, mais attends, n'oubliez pas que j'aille chercher les ballons sans elle. On va chercher les ballons avec Léana. Et après, on fera la photo. Et puis peut-être que si t'es sage, on te donnera une petite vache qui rit. D'accord? Ouais? On prendra une vache qui rit. Oui, oui, je t'aime. Oui, ma vie. Bref, voilà. Buddy a 10 ans. Nico, alors, est censé revenir aujourd'hui. Il avait 3 heures de retard son vol. Il m'a dit qu'il arrivait en début d'après-midi. Je ne sais pas s'il arrivera avant ou après que Léana ait fini l'école. On devait peut-être aller au skatepark. On a découvert un skatepark où on fait du vélo, qui est super sympa. Et on devait faire ça. Donc, je ne sais pas trop si c'est le cas. Mais viens, bon, je vous embarque. Et voilà, donc Léana est à l'école. Je vous ai dit, on n'est encore pas très stable au niveau de la routine et tout ça. J'attends de recevoir la trottinette électrique parce que je pense qu'on va utiliser que ça, soit que l'après-midi, vu que le matin, ça a l'air quand même d'aller mieux, soit matin et après-midi. Je ne sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que pour la récupérer, j'utiliserai ça parce que ce que je vous dis, c'est un cauchemar. Alors aussi, il y a un souci. Donc, je vous ai dit la qualité de l'air. Alors là, ça va en fait. On dirait que c'est bien pourri, mais on est dans le jaune. On est à la limite du vert. Donc, en fait, c'est pas si mal que ça. Oui, ben là, on est même dans le vert actuellement. Donc, c'est cool. Par contre, du coup, on a reçu un mail de l'école parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à l'école, ils ont... Dans la classe, ils ont les fenêtres et les portes ouvertes pour le Covid, pour aérer. Et le truc, c'est que si l'air est pollué, on fait comment? Donc, on a reçu un mail... Donc oui, je pense que beaucoup de parents se sont inquiétés de ça. Et en gros, ils expliquent que, donc là, ils parlent pas de jaune ou du vert parce que c'est pas craignos, surtout pour les enfants, à moins qu'ils aient des problèmes d'enfants asthmatiques ou quoi. Mais bref, en gros, ils restent ouverts sauf si c'est vraiment le pire des cas. Et donc que ce soit orange, rouge ou début violet, en gros, ils renferment de plus en plus les enfants dans les classes, sachant qu'ils ont changé tous les systèmes de ventilation. Donc, normalement, ils ont de l'air bien filtré dans la classe. Nanana. Donc, ouais, en fait, ils disent, voilà, quand c'est orange,
Bon, il y a les masques dehors. Alors, je vous ai, par rapport à lundi, le soir même, c'est sorti qu'ils avaient l'obligation de porter les masques aussi à la récré, donc en extérieur, les petits. Voilà. Et donc, en fait, après, là, c'est... Non, small group of students. En fait, ils restent dedans, mais ceux qui doivent aller manger, ils vont manger dehors vite. J'ai envie de te dire. Ils vont nous raccourcir encore plus la pause du déj, tu vois. Donc, bref. Donc, ouais, bon, pour l'instant, voilà, et en gros, après, c'est de plus en plus limité au niveau de l'extérieur, et violet, c'est, en gros, tout à l'intérieur, quoi. Donc, voilà, bref, je sais pas trop ce que ça va donner pour l'instant, voilà, je vous dis, on est retourné dans, même dans le vert, donc ça va, c'est pas si pire, même si ça a l'air vraiment pas joli, c'est pas encore trop pollué, donc c'est cool, parce que, et qu'ils nous referment pas l'école à cause des fumées, quoi, enfin... Bref, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma vidéo ASMR tout de suite, comme ça je vais voir ce que ça donne au cas où, s'il faut la refaire, je la referai. Je verrai si c'est pas trop un carnage, j'arrive bien à prendre le fichier du microphone, enfin du micro. Enfin, je vais monter ma vidéo, comme ça c'est fait, parce que ce week-end, je suis pas là. En plus, demain soir, je pars à San Francisco avec Virginie et une copine et Amandine. On va à San Francisco faire un truc. Je pense pas que je vais vlogger, je vous ferai des stories sur Insta. Et je reviens samedi, mais du coup, je peux pas monter de vidéo pendant 24 heures. Donc, je vais essayer de faire ça maintenant. J'ai le temps. Et du coup, je vais aller chercher les ballons. Et du coup, Lana m'a demandé de l'attendre. Donc, je vais l'attendre. Voilà, voilà, pour les news. J'arrête mon blabla et je vous reprends après. Bon, voilà, bah, je viens de monter la vidéo ASMR. Je suis bien contente du résultat. Je suis pas sûre que le son soit parfait. Je pense qu'il y a des vidéos ASMR où le son sont bien meilleurs. Mais en tout cas, on n'entend pas les travaux. C'est déjà un miracle. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours. Alors, je pense qu'il y en a qui vont aimer. Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas ce style de vidéo dans tous les cas. Donc, qui ne vont pas aimer. Oui, c'est pourquoi. Mais bref, c'est monté, c'est fait. Du coup, elle est prête. Donc peut-être éventuellement je la publierai dimanche. Je sais que vous aimez bien quand je publie les vidéos le dimanche. Je suis trop stressée de vous publier ça parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai fait un concept un petit peu particulier dont j'ai eu l'idée. C'est pas juste de l'ASMR comme ça. Enfin ouais, je vous spoil pas trop, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est rigolo. C'est marrant. C'est marrant. Et bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous spoiler le concept. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est prêt. Du coup, elle est prête. Je suis contente. Et du coup, elle sortira dimanche. Bon, en attendant... Ouais, j'ai froid. J'ai froid. Ça fait pas froid, mais bref, j'ai froid. En attendant d'aller chercher Lana à l'école, je suis en train de lire vos commentaires, de les modérer, d'y répondre, de les liker. Et j'avais oublié à quel point ça prenait du temps. J'adore faire ça, mais c'est vrai que c'est très chronophage. C'est incroyable. Bah, après, parce que je réponds, je like. Enfin, déjà, je les modère. Et puis voilà, il y a le fait d'y répondre, de les liker et tout, mais c'est tellement cool. Et je vous remercie beaucoup du coup sur la vidéo de lundi, là, de la rentrée. Vous m'avez laissé énormément de commentaires et ils sont absolument adorables. Donc voilà, si jamais vous faites partie des gens que j'ai liké, répondu, et désolée si je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas si j'ai tout fait le tour parce que j'en ai encore. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire. C'est toujours sympa que vous preniez le temps de commenter en dessous des vidéos maintenant que c'est dispo. Et clairement... pour moi, ça change totalement ma vision de la chose et c'est beaucoup plus agréable pour moi de faire des vidéos et d'avoir vos retours, même si j'en avais un petit peu sur Instagram. Mais clairement, enfin, j'avais tellement l'impression de parler à un mur pendant 3 ans. Là, c'était assez horrible en fait, parce que du coup, t'as pas l'air autour des gens, tu sais pas quelle partie du vlog ils ont aimé, quelle partie du vlog les a fait rire. Enfin, c'est assez frustrant en fait de pas avoir eu de commentaires pendant si longtemps. Et du coup, bah, je me régale à vous lire de nouveau. C'est comme si vous étiez revenu, en fait. Enfin, c'est comme si vous étiez parti, que vous étiez revenu. Enfin, c'est absolument génial. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Parce que bon, déjà, vous prenez le temps de regarder les vidéos. Avec la longueur de mes vidéos, bah, vous m'accordez déjà beaucoup de temps. Donc déjà, merci de m'accorder tout ce temps. Parce qu'en cumulé, ça représente pas mal de temps. Hein. Et puis merci pour les commentaires, du coup. C'est cool, je suis trop contente. Donc voilà, j'essaie de me caler un peu 1 heure chaque jour pour vous lire, vous répondre, vous liker. Puis en plus,
J'aime pas le faire sur le téléphone, j'aime bien le faire sur l'ordi, mais du coup, les emojis, je les ai pas. Donc, j'ai mon petit site où il y a les emojis, où faut, à chaque fois que j'ajoute un emoji, je dois aller sur l'onglet du site, copier l'emoji que je veux, coller dans les... Enfin, c'est pas optimal tout ça, mais parce que j'aime pas faire ce genre de choses sur le téléphone, j'aime bien être sur l'ordi, poser, faire ça bien. Voilà, bref, en tout cas, la vidéo ASMR est prête, la miniature est prête. Je l'ai montrée à Virginie qui m'a donné son avis, qui a bien aimé le concept. J'ai hâte de vous la montrer. J'ai un peu peur parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et je sors complètement de ma zone de confort et autant ça peut être très bien vu, sachant déjà que je crois que l'ASMR, il y a vraiment pas tout le monde qui est fan à la base. Je crois qu'à chaque fois que j'ai fait des sondages, la majorité n'était pas fan du concept en lui-même. Et là, vu que c'est un peu... vu que je suis pas une pro du truc, j'ai très peur, mais bon, c'est pas grave. Au pire, si ça plaît pas, je referai pas. En tout cas, je me suis bien amusée, c'est bien là l'essentiel. Et bref, je vous laisse parce que du coup, je vous parle là, mais je vous lis pas là. Ça marche pas. Bon, voilà, je viens d'arriver à l'école, j'ai mis 13 minutes pour venir. Ce qui est beaucoup plus rapide que quand j'ai la nain, forcément. Par contre, je suis en transe et je suis bien à l'avance. Donc, je vais attendre là qu'elle me rejoigne. Je peux pas filmer pendant que je fais de la trottinette parce que, à une main, quand je pédale, je peux pas. Je vais essayer de le faire un peu en descente. Ouf, je suis en transe et j'ai le masque du coup parce que je suis devant l'école. Et ben. Bon, c'est bien, ça me protège de la fumée ou non? Ça, c'était la sonnerie. On a retrouvé qui? On a retrouvé Chacha. Lana qui finit sa lunchbox à 3h de l'après-midi. Quand, hier, j'ai percuté dans l'aéroport, t'as des photos de partout de Chicago et je suis pas allé voir le truc où t'as le reflet. Le truc quoi? Les péninsules de sculpture où t'as un reflet. Ah, le Bean? Mmh. T'es pas allé voir le Bean? T'as passé 4 jours à Chicago, t'es pas allé voir le Bean? Bah, j'étais occupé, mais j'ai percuté et j'ai absolument pas pensé. Ben Nico ici, il mange maintenant parce qu'il vient de revenir de l'avion. Il y a eu 3 heures de retard et donc je suis un peu décalé. Là, il est 5 heures de l'après-midi, là, dans ma tête. Mais il est 2 heures plus tard à Chicago. Je meurs de faim. Bah ouais. J'ai vu 3 copines de l'école de Lana sur le chemin du retour. Je suis contente parce que j'en avais pas vu, j'avais vu personne de sa classe jusqu'à présent, et dont apparemment une française qui est dans sa classe. Et en attendant, attends, j'étais en train de l'attendre, et là j'entends un monsieur derrière qui parle français. Je dis, oh, vous êtes français? Il s'est senti agressif. Et oui, oh, mais c'est trop bien. La fille qui est en train de, qui est trop contente de croiser. Dans l'école. Là, il y a 2 français dans l'école. Sa petite est en first grade, donc il y a au moins 2 français dans l'école. Ça, c'est cool. Il s'est parlé un peu. Ouais, il a parlé, je lui ai dit ça va, non. Il m'a dit qu'il me donnait, il allait m'emmener sa fille à FBA. Je lui ai dit, moi j'étais maîtresse à FBA. Enfin, ouais, super sympa. Il est bien, quoi. Ben, forcément. Ouais, forcément. Et sinon, aujourd'hui, c'est moi qui ai des devoirs. Lana n'a pas de devoirs parce qu'elle a tout fini en classe. Et moi, il faut que je fasse ça. Et reason the teacher is lucky to have your child. 3 raisons pour lesquelles la maîtresse a de la chance d'avoir Lana. Oh, ça va être dur d'en trouver 3 quand même. Do you have any patient? Language spoken. Ah, ça c'est cool, non, ça. J'ai rien. Passion and talent. Bah si, il faut que je remplisse Lana. The main need support. Oh bah, allez Nicolas, on va répondre tous les deux. Super. T'es content. Vas-y. Un petit cadeau. Moi aussi j'ai mis 10 ans. Non. Un petit cadeau. Attends, je vais me laver les mains. Qu'est-ce que ça cache? Ah, mais c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il faut que tu racontes ce que c'est parce que personne ne va comprendre à part toi. C'est le magiseur. Donc, c'est un t-shirt Tesla. Donc, là, il y a marqué Cybertruck. Avec le... Je suis en train d'étouffer. Ouais, mais quelle idée de manger épicé aussi. Ça, c'est un petit patron qui est le nouveau... Un espèce de véhicule électrique, c'est limité de Tesla qui est futuriste. Camion, c'est un camion, c'est ça? C'est un espèce de camion pick-up électrique forme design, bref. Soit tu adores, soit tu détestes. Donc, quand il a présenté le camion sur scène, il a dit en fait le camion il est ultra solide, il a été fait avec des matériaux qu'on utilise pour envoyer fusées dans l'espace,
fait démonstration. Là, il prend une bille d'acier et il la jette contre la vitre. Et c'est ça qui s'est passé. Oui, au lieu que la vitre ne bouge pas, c'est un fait. Sauf que du coup, après, il s'en sert, ça fait comme s'il était à Iron Man. Parce qu'Iron Man, il a une petite lumière là. C'est pour ça qu'il l'a mis là. J'avais pas la ref. J'avais que la moitié de l'histoire. Parce que tout le monde dit que le personnage d'Iron Man était inspiré d'Elon Musk. Parce que le mec, il invente plein de trucs comme ça. Mais c'est pas elle qui veut faire un bisou. Et bah, c'est pas toi qui l'as acheté, c'est moi. Et alors? Je suis trempée. Tu m'excuseras. J'ai fait de la trottinette. Bon, j'ai fini de remplir ça. C'est mon papa. Chose. Bah oui, mais je peux. Ah bah, c'est pas mon père, non. C'est pas vraiment mon papa. Est-ce que tu as fini de manger mon amour? Est-ce que tu as fini de manger, s'il te plaît, à 15h23? C'est n'importe quoi. Tu prends un brownie. Oh mon dieu. S'il te plaît. Oh, c'est bon, t'as tout fini là, du coup? Oui, j'ai tout fini. Voilà. Tout fini. Bah, en trois parties, du coup. Snack, déjeuner et post-école. Oui, prends un brownie, du coup, pour que ton goûter. Enfin, c'est. Du Jésus. On est chez Party City. Un 1 et un 0 de la même couleur. Il faut qu'il y ait le 1 et le 0. Il y a rose comme ça, il y a rose comme ça, il y a doré. Doré, il a l'air énorme. Un choix. Oh non. Oh non, j'aime pas ça. Non. Il y a argenté. Non, mais en haut là. Viens, regarde. Là, 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 là. Non, c'est un cul ça. Ça, hop, tu veux ça? Tu veux cette couleur? Oui. Et ben alors on prend. Tiens, il y en a, j'ai pris Nana. J'ai pris. Oui, oui, il est là. Là, okay. là. C'est bon? Oui. Et ben on va payer. Je vous filme le backstage parce que je sens que ça va être comme une histoire encore. Viens. Le zéro s'est crevé. Je pense qu'il a touché les ronces. Et voilà. Je l'ai labédié, elle va être contente. Chope le ballon, chope-le. Il s'en va, chope-le. Oh, bah, il est crevé, hein. Mais disons, heureusement que j'ai les photos. Hein. Chope-le. Allez, chope. Voilà, c'est un petit beau cadeau d'anniversaire, c'est ça et ça. Lady. Mais c'est du camembert, c'est oui, pas la vache. Oui, mais il n'y a plus de vache curie. Je t'ai donné, je t'ai mis la dernière dans la lunchbox. Vas-y. Ok, je vais séparer parce que c'est trop gros. Joyeux anniversaire, ma boulette. Non, tu mâches, petit mâche. Attends, mais mâche, mais c'est pas possible, elle gobe. Mais dis, allez, viens. Non. Mais donne-lui, Lana, donne-lui. Elle a fait la photo. Il y a un ballon, je voulais faire les ballons sur la. Est-ce qu'elle chope l'autre ballon? Non, l'autre, il est. Non, lui, c'est parce qu'il a dû toucher les ronces, il s'est dégonflé. L'autre, il t'intéresse plus? Va faire ton sport aujourd'hui là. C'est comme ça que j'avais fait les photos de ses 7 ans d'ailleurs. Là, Anna Buddy, je dis qu'on fait attention à ton dos. Là, tu fais pas du tout attention à ton dos là. Oh,
Doucement, bébé. Ouais, ouais, voilà. À chaque fois, elle arrive à faire ça, elle a compris. Lana? Lana? Et chope-le, chope. Oui, ben chope-le, vas-y. Chope-le. Chope. Non mais attends, laisse-la, laisse-la, j'aime bien parce qu'elle attrape la ficelle après. Non, elle fait plus. Si, si, elle vient de le faire. Ah, regarde, 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 regarde. Il est trop fort. Là, là, viens, là, là, là. Non, bah moi je voulais le garder quelques jours, mais bon. On va dire que c'est son cadeau d'anniversaire, hein. Je vais pas acheter de cadeau. C'est les ballons. Allez, par là, là, tu tires la ficelle, là. Là, vas-y, là. Non, non, non. Lana. Oh non, elle pleure. Mon bébé. Lana. Mais t'as tiré trop fort, ça l'a détaché. Oh non. Petit. Mais il est où le ballon? Oui, il y a celui-là, vas-y, finis celui-là. Voilà, c'est bien, c'est une bonne philosophie. Oh non! Putain, mon ballon! C'était pas fait pour faire ça! Oh. Adieu le ballon! Adieu! Heureusement que j'ai eu des photos, hein, parce qu'alors entre celui-là qui s'est crevé et l'autre qui s'est envolé. Ah, mais les... on se souviendra de ces 10 ans! Mais par contre, c'est assez bien parce qu'avec le vent, ça va s'envoler, ça. C'est pour le bas, c'est dégueulasse. Voilà, voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, à la façon, on va. C'est la même bouche que Walter. Mon bébé, tu chantes trop bien. Et pour bien finir cette journée d'anniversaire, mais elle comprend. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit. Non, mais il n'y a rien à donner. Je vais lui dire ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, Betty? Je vais se promener. On va se promener, mon bébé. On va se promener. Ouais, mets ta laisse, on y va. Bon, je m'attaque à la photo de Betty. Donc ça c'est l'original. Vous voyez, il y a la ceinture, parce que pour que le 1 tienne au sol, j'ai mis la ceinture que j'ai accrochée à mon support de scotch. Et là je suis en train d'enlever les trucs moches. Il faut que j'enlève tout le... Là, là, ça, là aussi c'est moche. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai enlevé la ceinture. J'ai enlevé les tic-tac en haut. Je suis en train de tout enlever, voilà, Nico et Lana ils sont en train de jouer. Et voilà, comme ça j'ai la photo qui sera prête, je la posterai demain, donc aujourd'hui pour vous sur Insta. Mon bébé, elle est trop belle. Maman. Il est trop belle, mon bébé. Non, c'est bon, je finis ça. Oui, voilà. Couche-toi, c'est bien. Et voici le avant-après. Avant. Bon, il y a le recadrage aussi qui... C'est un peu embêtant, du coup, vous vous rendez moins compte de ce que j'ai enlevé, mais... Mieux comme ça, hein? J'adore! Je suis trop fan! Ah. Voilà, bref, maintenant il faut aller coucher l'enfant parce qu'il est 8h. On espère que le vlog il vous a. Plutôt plus. À bien! Non! Plutôt demain. Et bi! Non! À deux! Non! Et bi! Non, mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? C'est immonde! Bah, y'a pas de jeu. Et s'il va falloir que tu les coupes là, non, peut-être? Ah, c'est bien. Hein? C'est non bien. Ah.